Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Uncharted Drake's Fortune et on est parti pour la suite du jeu où il faut sauver notre bien-aimée Helena, la petite blonde. J'arrive pour te sauver. Et accessoirement aussi sauver le monde parce que l'Eldorado, ça pue du boudin. Un or moly. En effet, t'as l'air de... Tiens! Apprendre à viser! Voilà, un chargeur entier pour tuer deux mecs. C'est celui-ci, ça? Ah oui. C'est bien, tu peux pas trop esquiver les balles, toi. Il était vraiment pas mis au bon endroit. Aïe! Celui! Un de moins. Deux de moins. Un de moins. Oh là! Il est là. Je vais essayer de récupérer son truc explosif là, mon cher ami. Ça pourrait peut-être nous aider un petit peu. Où est-ce qu'on va maintenant? Grenade. Oh, il a eu. Oh merde. Oh bah vas-y. Ouh. Ah bah vas-y, planque-toi bien. Ouais, c'est magnifique. Je suis vraiment au bon endroit là. C'est l'endroit qu'il faut. Parce que je le vois pas, le lance-grenade. Bon, un de moins. C'est toi qui es là-haut là. Tiens. Plus sûr à ça. Par contre, toi, j'arrive à t'avoir. Avec une lance-grenade, je crois que je l'ai eu. Ah! Sylvain! Ah, bah, c'est très bien là. Voilà! Je ne sais pas comment, mais cette statue a décimé cette colonie et elle a anéanti les Allemands. Pardon? Pas le temps. Allons à l'église. Allons à l'église. Allez, viens. Viens, 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 viens. Il faut sauver le monde. Il faut sauver l'univers. Cette fois, on peut passer par la porte d'entrée. Non, toujours pas. Il faut repasser par le haut. Ah bah non. C'est pas où qu'il faut passer alors si on peut pas passer par la porte d'entrée. Peut-être tout simplement parce que ce n'était pas l'église. Voilà, pourquoi chercher compliqué? C'est parce que je suis juste un gros boulet. L'église, peut-être ce gros truc là, qui ressemble d'ailleurs plus à une église que l'autre bâtiment. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Après, ça me surprend pas non plus, hein. Toc toc. Voilà. Des oiseaux. Merde, y'en a partout. Recule, Sully. À chier. À chier. Alors, y a encore un snipe sur le côté là. Oui, là-haut. Encore un là. Oh là. Oh putain.
Casse-toi la gueule. Je sais pas comment il a fait pour grimper jusque là. Wouh. Là c'est toi. C'est bon, t'es mouru. Je vais ressortir le snipe. Ah, y'a que deux balles. C'est déjà ça. Oui. Grenada. Copieur. À l'abri. Tant que toi, merci. Ah mais... Toi d'abord. Là elle était bien placée normalement. Ah, celle-là aussi elle est bien placée. Bim 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 bim. Grenada. Quand j'enlève leur masque, j'ai l'impression que c'est des poules qui apparaissent. C'est bon? C'est tous morts? Ce serait bien. Oui. Allez, récolte des munitions et des grenades. Dégage, va chier! Plante-toi bien! Ok. Là, c'est cool ça. Dégage. Tessie! Tu as survécu! Ma grenade! Planque-toi! Mais pas là devant lui, du con! Okay. Oh la logique! Mais. J'appuie sur rond, mais il va pas. Il va à l'endroit le plus proche ou des fois pas forcément le milieu, quoi. Par ici, Sully. Il doit y avoir un passage secret sous l'hôtel. C'est marrant, mais j'avais pas dit ça au début du jeu, justement. Il doit y avoir un passage secret sous l'hôtel. J'ai même été vérifié avant. Bon, ça va, j'ai pas mal de munitions, j'ai plus que deux grenades, mais bon, j'en ai jamais utilisé les quatre à chaque fois. Salut. Et si on poussait, tout simplement? Le pire, c'est que je me souviens d'avoir fait le tour, là. Au cas où il y avait un trésor. Des cadavres. Ah, toi, tu vas tête baissée, quoi. Pas peur. De l'or et des os. Ouais, ça résume bien les choses. Ça pue du cul. Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Quoi? Il est maudit, c'est pas possible. Oh, Nate, nom de Dieu. Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais tu dois me croire. On se rapproche de la fin du jeu, hein. Là on va bien pas tarder à voir l'Eldorado. Ouh, trésor. Oh putain. Drôle de tête. On vient pas de là en fait. Voilà. C'est peut-être plus par là. Hein. Eldorado. On est si nul que ça? Pourtant savoir que je suis paré à toute éventualité. Lâchez vos armes. Là-bas. N'empêche comment il claque l'Eldorado. Pas de bêtises, je vous en prie. Ou bien je la tue. Ah vas-y, elle ne représente rien pour moi. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous serons à vous dans un instant. C'est magnifique. De toute beauté. Ça c'est sûr que le design il claque. C'est qu'une enveloppe.
Le véritable trésor de l'Eldorado se trouve à l'intérieur. Ouvrez-le. Observe bien. Il était au courant de tout depuis le début. Adios, jefe. Trop terre à terre. Bajen la red! Bajen la red! Navarro, cette chose a exterminé toute une colonie. Tu sais pas ce que tu fais. Faux. Je suis la seule personne sur cette île à savoir exactement ce qu'elle fait. Carguela, est à toi. Il y a des pièces d'or partout. Vous êtes tellement pathétique. Des pièces d'or partout. Vous chamaillez pour votre cher petit trésor. Petit. Connaissez-vous au moins la véritable valeur de ce trésor? Levantez-le. Ça pue du cul. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les Espagnols, Sonny. Fidèles au poste. Allez! Faut se barrer! Faut se barrer! Sullivan, cette chose ne doit pas quitter l'île. Il faut l'arrêter. Vas-y, je te couvre. Non, je peux y aller, moi. What the fuck? Ok, c'est magnifique ça. Vas-y, va dans l'eau et hop, tu meurs. Non, mais niveau fail, ça va quoi. Tout le monde aurait sauté dans l'eau quoi. Comment j'aurais pu esquiver le. Ok, donc il faut pas aller dans l'eau quoi. C'est vraiment pas par là. Alors que c'est le premier truc que tout le monde aurait fait. Oui, c'est bon, je sais qu'elle est en train de se barrer sur la gauche. Sur la droite, pardon. Et je dois, moi, partir sur la gauche. Ah, mais putain! J'aime pas les fusils à pompe. C'est pas mon truc, mon type d'arme. Recharge. Dégage, toi. Toi aussi. Je dois protéger la jolie nana. Peut-être attendre un petit peu avant d'y foncer, parce que le nombre de coups de fusil à pompe que j'ai pris dans le fion là. Oui. Coucou. Hey. Youhou, c'est la classe. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Non. Dégage. Oh, magnifique. Et boum. Non, Elena. Alors, je me souviens que ce passage-là, j'en avais chié. Épreuve de force. Eh, j'ai plus grenade. Ah, j'ai plus que ça en plus. C'est magnifique. C'est pour ça que...
Ouh. Ok. Je trouvais que je me débrouillais pas si mal que ça. Ah putain, j'ai pas eu le temps de viser. Ouais, je crois que j'ai autant chier que la première fois. Hein. Charge. Faut vraiment en fait attendre qu'il ait... Oh, évidemment. Relève-toi comme une merde. Voilà, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut tirer sur les autres pour qu'ils puissent s'enfuir. Ouais, c'est que moi j'aime pas le fusil à pompe, putain, t'as pas des armes autres que ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Parce que je le trouve plus précis qu'un fusil à pompe en fait. Ah, d'accord, un truc là. Quand j'aurais bien aimé avoir un petit flingue aussi. Merde, il est là. 1, 2. Oh, petite grenade, ça serait tellement bien. Comment t'as fait pour tirer à travers la... Évidemment. Évidemment. Yanshi. Oh non, on recommence là. Putain. Oh, c'est d'un chiant. J'aime pas cette arme, bordel. Je vais tenter un truc de fou. J'en ai marre! Oh chier! Bon chier! Ouais, je me disais bien aussi. Ce serait pas une bonne idée. J'ai tenté. Recharge. Voilà! Casse-toi bien. On va prendre ça. Plein de munitions, mais par contre pour se planquer là. Là j'ai crevé. Fait 3 tirs au hasard et ensuite il vise. Évidemment, c'est pas là qu'on le tue. Munitions partout. Je veux bien voir le petit flingue aussi. Gnon. Oui, bien sûr. Ok, il est là. Il est où l'autre? Là. Presque plus de... C'est bon, tu te barres? Oh bah oui, bah vas-y, c'est vrai qu'on a pas assez. Bah oui. Voilà, mission, c'est bon. Vous pouvez plus vous planquer. Ouais, mais moi non plus. Il est là. C'était sûr, pourquoi t'as foncé dedans, du con? Bah oui, en plus j'ai plus d'armes. Et attention, ça va se finir au corps à corps.
Bon, j'ai raté mon coup. Faut foncer dessus en fait. Hey, il a tiré alors que son arme était même pas braquée sur moi. C'est ça, c'est que j'ai pas de truc en fait. Ah! J'en ai marre de crever toutes les 10 secondes. Wouh! Hey, comment il a su que j'allais faire une roulade maintenant? Faut que je trouve la faille. Yo! Bourina, je touche! Quoi, tu viens de dire que c'était un fusil à pompe que t'avais et pas un sniper? Tiens, je refuse de mourir! Ah ouais, la coupée dans les couilles, je suis désolé, là ça doit le faire mal. Vérifie s'il est bien mort. Facile, terminé! Mais je n'ai pas joué en facile. Normal, terminé! Oh, tu es Elena! Je vais bien, je vais bien! Eh bien, tout va bien! C'était sûr! Un classique! Oui! Une des pires morts. Adieu, Eldorado. Salut. Quelle journée. Bah ouais, sauver le monde, vaincre le mal. Normal quoi. Bien sûr. Dommage de devoir partir les mains vides. Mais non. Oh, au fait, j'ai réussi à sauver une petite bricole. Tiens, je me suis dit que ça te manquerait sûrement. T'es mignon. Merci. De rien. Vu d'ici, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Salé. Eh ben dis-moi, t'as une de ces têtes? Dis donc, tu t'es pas regardé. J'ai trouvé un bateau. Mais on a déjà un bateau. Ouais, un gros bateau. Moi, je préfère celui-là. Oh, t'es bien, déçu. Celui était vraiment incroyable. Oh. Je l'ai piqué à deux pirates qui étaient un peu morts, alors ils ont pas pu râler. Déçu. Désolé pour ton article. Oh, t'inquiète pas, il y aura d'autres cases. Tu me dois toujours quelque chose. Un dîner ? T'inquiète pas pour ça. J'adore cette zik. Et voilà. C'est ainsi que se termine ce let's play sur Uncharted Drake's Fortune, le premier volet de la saga. Une des sagas, comme j'ai dit, que j'adore. J'espère que ce let's play vous aura plu. Et dites en commentaire si vous souhaitez voir les autres jeux par la suite, hein, parce que normalement je les ai tous. Et ce sera avec plaisir que je ferai la suite de ce jeu. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour pouvoir... Je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. Je vais déjà essayer de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire. Mais d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !